Bonjour à tous, il est 6h30, nous sommes à Rio Gallegos et aujourd'hui c'est une grande journée puisque nous allons quitter l'Argentine pour passer au Chili et surtout passer sur l'île de la Terre de Feu pour ensuite se diriger vers Ushuaia. Donc on quitte l'Argentine, on passe au Chili pour 150 km je crois et on retourne en Argentine pour ensuite demain faire la dernière étape et aller vers Ushuaia. Voilà, aujourd'hui la météo a l'air pas trop mal, le ciel est bleu, pour l'instant il n'y a pas de vent. Donc nous allons charger la moto, prendre le petit déjeuner et y aller. Nous sommes en direction du passage du poste frontalier à Montémont. Donc de nouveau des grandes lignes droites pour ce matin, mais alors chose étonnante, il n'y a quasiment pas de vent. Il est 8h, il fait 12 degrés. Nous sommes en attente d'embarquement sur le ferry pour traverser le détroit de Magellan. Nous nous sommes retrouvés un petit groupe de motards, je pense qu'on va continuer à faire la route ensemble. Il y a derrière moi un Américain, à côté de moi un Chilien, devant moi un Argentin et tout devant une Turque qui voyage à travers toute l'Amérique du Sud toute seule. C'est parti pour monter dans le ferry. Welcome to Tierra del Fuego. Il y a comme du monde qui attend pour prendre le ferry. Hein. Bonjour à tous et voilà, ce matin nous sommes prêts pour la dernière étape. Voilà, vous voyez que je ne suis pas le seul motard à vouloir aller à Ushuaia. Il y a un certain nombre de GS et un intrus, une Honda Varadero qui est au milieu. Voilà, principalement des Brésiliens. Aujourd'hui, le temps est mitigé, mais on va dire que pour la Patagonie, c'est plutôt du grand beau temps. Il n'y a pas trop de vent pour l'instant, il doit être 7h30 à peu près. Allez, c'est parti. Cette dernière étape, pour l'instant, se fait tranquillement, pas trop de vent, 12 degrés. Et nous longeons l'Atlantique Sud. Voilà, nous l'avons en face de nous. Il va rester 160 km pour Ushuaia. Sur la route d'Ushuaia, de nombreux lacs. Immense, ces lacs de Patagonie. Là, c'est le lac Fagnano, Lago Fagnano. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, il doit nous rester à peu près 80 km pour arriver à Ushuaia. Voilà.
le Lago Escondido. En préparant ce voyage, je crois que c'est là que je l'ai vu des centaines de fois sur les vidéos de ceux qui faisaient la route. Cette fois, c'est moi qui le filme. C'est magnifique, en plus, il fait un temps. Voilà, c'est fait, arrivé à Ushuaia après 4 ou 5 000 km, je ne sais plus exactement, depuis Montevideo. Incroyable. Donc je suis au point le plus bas de mon parcours. Maintenant ça va être Cap au Nord, tout le temps Cap au Nord. Enfin, on va déjà passer 2-3 jours ici à Ushuaia. Premier objectif du trip rempli et le soleil sort. Incroyable. Pas un temps de Patagonie, mais je crois.